Salut, c'est Mega Driver 16 sur le jeu Tour de France 2016 pour la revanche de Bardet. Et oui, le concept c'était donc de refaire un tour mais sur le parcours 2015 en mode de difficulté professionnelle pour avoir un élément de comparaison sur le niveau de difficulté de cette nouvelle édition Tour de France 2016 puisque c'était avec ce coureur, dans ce mode de difficulté, que j'avais fait mon premier tour en 2015, où j'avais été surpris par la difficulté à la hausse par rapport au 2014, j'avais trouvé, et j'avais fini 3e et maillot blanc. Donc là, dans les mêmes conditions, eh bien, c'est la 3e et dernière vidéo que je vous propose, on est déjà à l'Alpe d'Huez, et on a vu sur les deux premières vidéos que Romain Bardet s'en sortait bien mieux, hein. On était en jaune, on avait remporté les deux étapes des Murs de Bretagne et Murs de Huy, et donc les Pyrénées, on s'en était bien sorti également avec une victoire à Cotteray. Donc là, on est à l'Alpe d'Huez, je ne vous dis pas les résultats, on va simplement se faire un petit résumé en images avec des bouts d'étapes, les fins d'étapes très courtes, pour aller jusqu'à l'Alpe d'Huez, de l'étape de Rodez, la 13, jusqu'à ici. Et on fera le petit débrief donc sur cette ultime étape de montagne que je vous ferai vivre en direct. C'est parti pour le résumé des étapes 13 jusqu'à l'étape 19. On se retrouve après en direct. Réveillez-moi s'il se passe quelque chose.
Kilomètre du sommet, un homme mène la course et il semble bien parti pour s'imposer à Gap. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est bien. T'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. La gagne est envisageable. Allez, plus que 10 km. Allez, allez, allez. Tu peux y aller tranquille. Elle est pour toi, celle-là. Bien joué. Voici le vainqueur de l'étape, Bourg-de-Péage Gap. Il a su maîtriser ses adversaires pour s'imposer et lever les bras. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. On est à 2 km de l'arrivée pour les hommes de tête. S'ils se regardent trop, ce seront les poursuivants qui pourraient bien en profiter pour s'imposer. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Voilà le classement du dernier grimpeur. C'est bien, t'as remporté le dernier grimpeur. Ça évite que nos concurrents ne prennent trop de points. Allez, 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 allez.
Et maintenant, ça descend jusqu'à l'arrivée. C'est la flamme rouge, encore un kilomètre d'effort. C'est le dernier kilomètre. Allez, allez, encore un effort. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Gap Saint-Jean-de-Maurienne. Bravo à lui! Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Aujourd'hui, voici le vainqueur de l'étape, Saint-Jean-de-Maurienne, la Toussuire. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de prestige. Et nous voilà donc de retour en direct sur l'étape 20 du Galibier avec Viermoz en échappée, avec Thibaut Pinot, bon, une 38 devant le
le peloton, hein, c'est pas grand chose bien évidemment. Et avant de faire le débrief, je voulais vous montrer quand je le mets en oreillette automatique, là, je ne peux pas lui demander autre chose en suggestion que de... Je peux pas lui demander de collaborer. Je comprends pas, il est automatiquement en ne pas collaborer avec Thibaut Pinot. Ça, je me demande si c'est un bug ou pas, mais c'est gênant. C'est gênant parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive, ou alors, des fois, j'ai remarqué également, dans une échappée, eh bien, on a beau sélectionner, collaborer, il ne va pas le faire. Il se remet en automatique en ne pas collaborer. Notre coureur, ça m'est arrivé précédemment d'ailleurs, puisque maintenant on peut aborder le débrief de ce tour. Vous avez vu le résumé, étape 13 jusqu'à 19 donc, avec de très beaux résultats, hein. Maintenant le verdict est sûr, le niveau de difficulté est plus simple en professionnel sur le Tour de France 2016 que le Tour de France 2015, puisque Bardet est à plus de 5 minutes 30 d'avance générale sur Christopher Froome. Tiens, on a lâché Pinot, d'accord, à force de ne pas collaborer, hein. Et puis les autres concurrents, on n'en parle même pas, ils sont très 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 loin. Bah, rien que Pinot, hein, qui est à 13 minutes, il est 7ème, donc c'est pour dire les écarts qu'il y a. Donc voilà, on a vu que ça s'était très bien passé, avec en plus, j'en ai profité pour faire des victoires d'étape à des coéquipiers. Viermoz, il a déjà essayé à Mende, mais il n'est pas arrivé, il a fait 2ème. Par contre, ensuite, on a eu de la réussite à Gap, où c'est Jean-Christophe Perrault qui s'est imposé. Belle victoire en échappée. À chaque fois, je ne vais pas préciser, hein, mais Romain Bardet figure bien et a bien préservé à chaque fois son maillot jaune, sauf à la Toussure où il a perdu une minute, je crois, sur Froome et Quintana, un truc dans le genre. Avec l'avance qu'on avait, c'est pas dommageable. Ensuite, on a eu une belle victoire d'étape avec le jeune grimpeur Latour. Ça, c'était intéressant. Et enfin, on a eu une victoire d'étape à la Toussure, justement, avec Pozzo Vivo, grimpeur italien, également en échappée. Donc on a engrangé pas mal de victoires d'étape, c'était sympa. Et là, avec Viermoz, on va essayer aussi. Qu'est-ce qu'il dit notre Romain Bardet? Oh, il est bien, il est très bien, à 3 minutes 55, on peut continuer avec Viermoz à faire la descente plus ou moins, oui, à fond, on va le dire. Pour espérer peut-être aller chercher une victoire d'étape. Bon, ça, rien n'est moins sûr, hein, parce que quand on a Thibaut Pinot dans la roue, ça va être chaud, même si là, il a 30 secondes derrière, mais bon. On va se retrouver dans le final de cette étape pour l'explication où il n'y aura pas vraiment de suspense, hein, parce que même si on perd du temps sur Christopher Froome, notre dauphin, je ne le vois pas nous mettre plus de 5 minutes 30 sur la dernière étape de montagne. Et on se retrouve au sprint intermédiaire qui est à peu près au pied de l'ascension finale vers l'Alpe d'Huez, avec Viermoz qui a 2,38 d'avance sur Thibaut Pinot, Sakharin intercalé également à 3,44, et le peloton qui roule fort, d'après ce que j'ai compris, c'est sous l'impulsion des coéquipiers de Nairo Quintana qui vise probablement l'étape, d'après ce qu'a dit le directeur sportif. Et donc le peloton qui est revenu, hein, alors qu'il était à plus de 5 minutes. Bon, ça fait pas beaucoup de marge de manœuvre avec Viermoz là au pied de l'ascension finale. Mais bon, on va bien voir. Allez, on met un petit coup de régulateur. En plus, on n'a plus de ravitaillement, hein. Pinot de 40 au pied de l'ascension. C'est 13,8 km d'ascension et 21 lacets mythiques. Qui entrera cette année dans la légende? Bon, je crois qu'on va le laisser se débrouiller seul d'ailleurs. Je vais regarder au niveau de l'oreillette. Bardet, il est bien. Il est bien, il a toujours Van Semeren en protection. Bientôt, ce sera au tour de Perrault. Donc, je vais prendre la main, hein, avec Romain Bardet, avec qui on va jouer l'ascension finale. On arrive l'avance du groupe de tête devrait être suffisante au sprint intermédiaire. Il fait rouler ses équipiers car devant il y a un mec dangereux pour lui au général. Je vois pas pourquoi il speed comme ça s'il y a peut-être la bataille au maillot vert. Il reste peut-être quelques sprinteurs dans les 78. Bon. Bref, là, on va demander dès le début de l'ascension finale à Perrault de venir nous protéger. Et puis je sais pas quoi demander à Viermoz pour pas qu'il se crame non plus complètement. Suggestion, poursuivre l'effort. Bon, il est dans poursuivre l'effort, c'est bien. Il est à 70. J'espère qu'il va se gérer tout seul, puisqu'on est bien d'accord. Il n'y a plus.
Il n'y a plus de carte blanche, hein. Sans à-coup, sans... Ouais, d'accord, bon. Voilà, il est à 70, il s'autogère, ben voilà. Écoutez, voilà, on commence l'ascension finale, je vous retrouve un petit peu plus loin. Je reprends la main à 8 km de l'arrivée, Wiermoos toujours en tête. 1,28 d'avance sur Thibaut Pinot, qu'on voit en haut d'ailleurs, là. Puisque Froome a attaqué avec Contador dans sa roue, moi je suis avec Nairo Quintana. Nibali un petit peu plus loin. Là on va pouvoir revenir sur le groupe de Froome, c'est pas mal. Et Wiermoos, je sais pas s'il va pouvoir aller au bout, hein, puisque j'ai regardé sa barre bleue. Elle est bien entamée, c'est sûr, hein. Je vais demander de prendre son gel de ravitaillement rouge. Il est dangereux pour le classement général. Mais bon. Ça va être chaud quand même, 6,9 km de l'arrivée, Thibaut Pinot en plus qui revient. Il y a une 11, tiens ça y est, là on a formé le groupe. Je peux... Ah ben je disais que je pouvais peut-être baisser un peu l'allure, mais non. Parce que Contador en remet une couche là, El Pistolero, d'une attaque très incisive, agressive, comme il en a le secret. 1 minute 30 de retard sur la tête pour le maillot jaune. Il continue Alberto. Regardez-moi ça. D'ailleurs, on revient sur Thibaut Pinot. Thibaut Pinot qui craque là dans le final. 5 km de l'arrivée, ça fait mal. Il a une avance confortable. Et Contador. Surtout pas fléchir s'il veut s'imposer. Contador, il y va, hein, encore. Tant pis, moi je le laisse partir. Hein. Contador, c'est pas un danger au général. Là, je peux baisser l'allure. Tiens, je me mets dans la route Froome plutôt. Je me mets en suivre Froome. Puisque cette fonctionnalité est pas mal. Hein. Tout le monde le dit dans les différents commentaires et les vidéos que j'ai vues. Qu'elle est très bien dans le sens où elle fait quand même économiser de l'énergie. Le régulateur est aussi intéressant. Donc, je l'utilise pas mal. Hein, car l'effort est très, très lissé, très régulier. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse là ? Wiermoos, on doit le voir. Oui, on voit la voiture rouge du directeur sportif. J'espère que Wiermoos ne va pas craquer. Il a 48 petites secondes d'avance sur Contador. C'est pas grand-chose. Bon, moi, il faudrait que j'y aille, là. On prend notre ravitaillement de bleu. Froome, il n'a pas l'air au mieux. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour le général. Le groupe maillot jaune est maintenant à 1 minute de la tête de course. L'écart est maintenant d'une minute entre les favoris et l'homme de tête. Allez, Romain Bardet avec facilité. Hein. De l'arrivée maintenant. L'homme de tête semble filer vers une incroyable victoire. Est-ce qu'Alberto Contador réussit à prendre ma roue? Il essaye en tout cas. Il essaye, vous le voyez. L'homme de tête a 30 secondes d'avance sur les favoris. Moi, je vais me calmer. On a maintenant 30 secondes entre l'échappée et le maillot jaune. Je vais me calmer un petit peu. Contador, hein, il a l'air de s'être redressé un petit peu. Il a du mal, Froome y revient peut-être derrière, mais on va peut-être assister à un très très beau doublé. Allez, je rajoute une dent là, voire deux. Pour peut-être revenir, ce serait beau, sur Wiermoos pour passer la ligne tous les deux. Parce que Froome, ouais, je pense qu'il reviendra pas. Froome, il est avec Contador ou pas, ouais. L'échappée est à 1 km de la ligne d'arrivée. Allez. On y arrive, là. Ça va être très beau, regardez la victoire. La victoire de Wiermoos, on va passer tous les deux. Eh ben, lève les bras, Wiermoos. Non, il a pas voulu lever les bras, tant pis. Très très beau doublé d'AG2R sur cette étape ultime à l'Alpe d'Huez, étape de montagne ultime bien sûr, pas la dernière puisque ce sera les Champs-Élysées. Accueillez-le chaleureusement, voici le vainqueur de l'étape, Modane Alpe d'Huez. Et oui, Alexis Wiermoos, le dernier de mes grimpeurs puncheurs, on va dire, à ne pas avoir eu sa victoire d'étape, sa propre victoire d'étape sur ce tour, la revanche de Romain Bardet. Et là, ça y est, c'est chose faite. Et donc, le voilà, ce très beau doublé AG2R la mondiale à l'Alpe d'Huez. Wiermoos qui s'impose en échappée
avec le retour dans le même temps de Romain Bardet, le maillot jaune, avec son bon état de forme qui a réussi à surclasser les favoris Froome, Contador, Quintana, etc. En mettant encore 27 petites secondes à Froome, Contador qui était pas mal, il me semblait pas mal, mais peut-être qu'il a, il s'est vu peut-être un petit peu trop beau parce qu'il a bien attaqué dans le final. Finalement, il lâche 30 secondes à Froome. Donc à plus d'une minute, Thibaut Pinot dans le même temps, qui avait essayé de contrer l'échappée de Viermoz, mais qui avait un peu craqué, mais qui s'est bien récupéré, vu comme il avait craqué au color catégorie du milieu. Bref, Nibali 6e, Quintana, etc., etc. Donc très belle nouvelle victoire d'étape d'AG2R la mondiale, et comme je disais, après les victoires de mes autres grimpeurs, Pozzo Vivo, Latour et Perrault, et bien voilà, Viermoz qui complète le tableau de chasse, le tableau d'honneur de ces vainqueurs d'étape, avec bien évidemment Romain Bardet qui s'en est adjugé 3. Donc voilà, on va pouvoir regarder qu'effectivement le général, et bien on est presque à 6 minutes, on va dire 6 minutes d'écart avec Froome, on aura le maillot jaune tranquille. Donc, et les écarts sont bien plus loin, imaginez que le 5e Quintana est à 13 minutes. Donc le verdict, bien évidemment, sera que le Tour 2016 en mode pro est plus simple que le Tour 2015 en mode pro. Modulo quand même, que je connaissais très très bien le parcours, pour y avoir joué un an d'affilée, ça entre en ligne de compte quand même. Mais même avec cette donnée supplémentaire, le verdict est là, c'est quand même plus simple en professionnel que l'année dernière, et puis en champion aussi, a priori. Bref, ça c'est une autre histoire. Félicitations, vous avez gagné l'étape, etc., etc. On va pouvoir se retrouver, profiter de notre beau maillot. D'ailleurs, on a le maillot à poids. Oui, on l'a vu sur les podiums, même si je ne l'ai pas filmé, on verra ça aux Champs-Élysées. L'étape Chantilly, Paris, Champs-Élysées. Monsieur, bonjour. La dernière étape sur les Champs-Élysées est toujours l'une des plus convoitées. Dans le passé, des sprinteurs qui courent après le prestige d'une victoire à Paris se sont parfois laissés surprendre. Mais ça ne s'est pas produit très souvent. Et avec les spécialistes qui dominent actuellement l'exercice, le défi s'annonce encore plus relevé. Et oui, donc petit défilé d'honneur à Paris. Le maillot jaune à côté du maillot vert. Le maillot à pois, il est là, c'est Froome. Mais en fait, il le porte par procuration. C'est bien Bardet qui l'a. Et le maillot blanc, Warren Barguil, ça y est, on va lui faire un petit coucou. Là, c'est la célébration, la Tour Eiffel, tranquillou, on célèbre. Tout le monde profite du beau maillot jaune de Romain Bardet et des autres maillots distinctifs et du podium de ce tour. Bref, mais il y a quand même des attaques devant, c'est pour ça qu'on va quand même vivre cette ultime étape avec rendez-vous des sprinteurs sur les Champs-Élysées. On va s'y retrouver tout de suite avant de célébrer les podiums, le podium final de ce tour. Et oui, encore deux tours à 20 km de l'arrivée. On a Van Semeren qui a tenté quelque chose là. Allez, je lui fais prendre son ravitaillement. On a tenté le coup de l'échapper. Voilà, comme ça, au cas où elle aille au bout, on aurait eu un coureur dedans. Là, ça semble pas en prendre le chemin. Regardez, le peloton a 12 secondes, autant dire ici, avec nous. Ça y est, dans pas longtemps, il va plus y avoir d'écart, je suppose. Almiguer avec nous. Ah, le peloton qui arrive là. Moi, j'ai demandé à Romain Bardet, le maillot jaune, qui va se sacrifier pour Sam Dumoulin, mais même en se sacrifiant, regardez. Dumoulin qui perd quand même encore du temps. Enfin, de l'énergie, je veux dire. L'écart diminue, les gars. Le peloton devrait jouer la gagne. Il est où, d'ailleurs, mon maillot jaune, là. Bardet, j'avais demandé de protéger Dumoulin. Ok. Je viens de protéger. Voilà, le maillot jaune qui peut se mettre également au service de ses coéquipiers sur certaines étapes, surtout que maintenant, c'est joué. Et Romain Bardet est celui qui a le plus d'énergie. Donc, ça paraît logique que ce soit lui qui vienne protéger son sprinter. On va se retrouver plus loin après cette belle image du sacrifice, entre guillemets, de la collaboration du maillot jaune envers son sprinter. Et les 10 derniers kilomètres de cette étape, regardez, avec Dumoulin, on est dans la route de Gant. Bardet qui nous protège toujours, ça c'est sympathique. D'ailleurs, on va regarder. Peut-être que tout le monde a besoin de son ravitaillement de bleu.
Et nous, on va peut-être pas tarder à le prendre nous aussi, hein, avec Sam Dumoulin. Sam Dumoulin qui, tout d'un coup, alors qu'on était en bonne position à l'avant, là, se fait un peu déborder parce que ça a accéléré de rythme, sûrement. Allez, on va se mettre en protection. Voilà, voilà, là, c'est mieux. Est-ce qu'il y aurait une bonne roue à prendre Rolands ? Pourquoi pas ? C'est le moment de prendre le ravitaillement de bleu, hein, je pense, 7 km de l'arrivée. Voilà, on est à zéro. Allez, Sam Dumoulin. Avec Romain Bardet, toujours en protection. Le peloton, pas forcément super compact. On se dirige vers un... Ah, on n'est que 116 d'ailleurs, effectivement. Il y a eu, de la casse quand même dans le peloton. Dernier passage dans le tunnel pour le peloton. Il faut être bien placé. Attention, un coureur d'Etix qui n'en peut plus, qui va nous gêner là. De la protection. Et il me faudrait un peu de protection parce que j'ai peur pour le bleu là. Les poissons pilotes vont bientôt s'écarter pour laisser la place à leur sprinter. Allez, on est dans la route des Gencol. Ce qu'il y a, c'est qu'il roule un petit peu trop fort peut-être des Gencol. On prend du rouge. Ah, c'est le bleu qui va nous manquer. Bah oui, clairement, regardez, c'est le bleu qui va nous manquer, c'est dommage. Dernier kilomètre pour sprinter. Alors, on va tomber en défaillance là. Avant même d'avoir franchi la ligne, je pense, ou juste au moment de la franchir. Bon, dommage, dommage. Accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape des Champs-Élysées. Il a su André Greipel. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas les commentaires audio sur le nom des coureurs? Je suis surpris. En tout cas, c'est l'Allemand qui s'impose au sur les Champs-Élysées. Semaines de course, il a su. Et voilà la consécration. Romain Bardet en jaune. Ses rivaux. Voici le grand vainqueur de ce Tour de France. Il peut enfin savourer cette grande victoire aujourd'hui. On l'applaudit bien fort. Il rentre dans l'histoire du cyclisme. Et oui, Romain Bardet victorieux de ce Tour. Parcours régulier 2015 tout au long de ce tour, il a réussi à marquer suffisamment de points pour Greipel dominer ses adversaires. Greipel qui revient pour son maillot vert. Voici le meilleur sprinter de cette année. Et donc sur ce podium final, on va avoir droit deux fois à Bardet, deux fois à Greipel. Et je dis deux fois Bardet puisqu'il va revenir là immédiatement pour le maillot à poids. Toujours présent aux avant-postes, on peut dire qu'il a marqué la course de son empreinte et que ce maillot à poids n'est qu'une juste récompense de tous les efforts qu'il a fournis. Nous accueillons maintenant le meilleur grimpeur de cette édition. Eh ouais, il n'y a pas le nom, toujours, c'est bizarre. Allez, avec ce maillot sur les épaules, nul doute que et nous Warren Barguil, hein, qui va être difficile de détrôner, encore. Je pense, pour les maillots blancs. Il y aura peut-être des petits défis. Veuillez accueillir le maillot blanc de ce tour. Ah bah ben non plus, il n'y a pas Warren Barguil. Bref, dans les commentaires audio. Le mérite. En tout cas, oui, je pense que ça va être dur d'aller chercher en autre bon coureur de blanc. Il y a Adam Yates et Wilco Kelderman, quoique Kelderman, il n'a pas des stats superbes. Mais hein. Je pensais plus à Luis Méndez peut-être. Mais Warren Barguil fait figure d'énorme favori pour ce maillot blanc quand même. Hein. Donc, la victoire d'étape, on l'a vu pour Greipel, ben, nous on est loin. Hein. On est... Ah ben même Bardet fait mieux, il fait 18e que Sam Dumoulin, 20e. Bon, ok. Le petit décompte des victoires d'étape sur ce tour, eh bien Bardet une au mur de 8. Ensuite Bardet une nouvelle fois pour le doublé des murs avec le mur de Bretagne, avec petit doublé hein, puisque Viermoz aussi était deuxième sur cette étape. Viermoz qui a fait deux fois deuxième hein, je crois donc. Donc deux victoires d'étape pour le moment. Bardet une troisième victoire d'étape à Cotteret. Perrault pour la série de nos victoires pour des coéquipiers. Perrault qui s'impose à Gap, ça fait 4 victoires d'étape pour l'équipe. 5 avec celle de la Tour à Saint-Jean-de-Maurienne. 6 avec celle à la Toussuire de Pozzo Vivo. Et donc Viermoz, 7 donc. On est bien d'accord, 3 pour Bardet, 4 coéquipiers, ça fait bien 7. 7 avec Viermoz à l'Alpe d'Huez. Très très belle étape avec Romain Bardet deuxième. Je voulais juste vérifier Amande, ouais, Viermoz avait bien fait deuxième déjà. Il avait déjà fait donc deux places de deuxième
Mur de Bretagne et ici à Mende avant de s'imposer à l'Alpe d'Huez. Ok, donc cette victoire d'étape, ouais, quand même intéressant. Si on regarde le général, eh bien Bardet, ça n'a pas changé. Hein, 5,59 d'avance sur Froome, Contador qui complète le podium. Voilà. On a des coureurs de la BMC, hein, vu que je fais un tour avec la BMC en champion en parallèle, qui sont loin hein, là sur ce tour en pro. 17e place pour Van Garderen, 11e simplement pour Richie Porte. Et regardez les écarts, hein, 24-54, ça fait loin quand même. Hein. Bref. Et Haru aussi. Un peu une déception. Le maillot à pois, on a vu Romain Bardet qui s'est imposé devant Froome. Le maillot vert Greipel, Bardet 5e, Viermo 6e. Le maillot blanc Warren Barguil, comme on disait, Mientes, Yates qui sont 2e et 3e. Et la tour, hein, grâce à sa très belle victoire il y a 46 minutes, et qui est 4e de ce classement. Intéressant, hein, ce coureur, la tour, j'ai vraiment envie de le contrôler à nouveau. Je pense plus, même quasiment certainement, hein, dans du pro team. Bref, on verra, on n'y est pas encore. AG2R qui termine meilleure équipe en plus du classement de maillot jaune, classement meilleur grimpeur. On est également la meilleure équipe, 42 minutes devant la Sky, et c'est un peu normal avec toutes ces victoires d'étape qu'on a eu en échappée, surtout en fin de tour avec mes grimpeurs punchers là. La combativité, c'est Chavanel devant Viermoz, et les primes cumulées, on arrive à 694 960 euros. Très bien. On a un petit bilan de la course avec tous ces classements qui nous donnent. Vous avez débloqué de nouveaux adversaires pour le My Tour, les légendes. A priori, on a débloqué les légendes. Intéressant. Donc, classement général premier, on a vu 5e pour le classement par points. Ce petit bilan, c'est sympathique, hein, je trouve. En fin de tour, c'est un petit plus qui ne devait pas être bien dur à mettre en place, mais qui est très, très sympa. Classement de la combativité, donc 2e pour Biermos, 1er classement de l'équipe, 4e pour Pierre Roger Latour. Classement des jeunes, intéressant. Très intéressant, et on a rempli la mission, finir dans les 5 premiers du classement général avec Romain Bardet. Voilà pour ce tour comparatif, un petit peu la revanche de Romain Bardet par rapport à mon premier tour 2015. Le verdict est là, le niveau professionnel est moins dur en 2016 qu'en 2015. Donc a priori, place aux champions, en espérant que ça se passe bien, en tout cas en espérant que vous ayez aussi apprécié ce petit concept sur le jeu Tour de France 2016 avec Romain Bardet. Je vous dis à plus tard.